Amen. Nous nous mettons debout. On va nous lire l'Apocalypse 6, versets 3 et 4. Quand il ouvrit les seconds sceaux, j'entendis les seconds êtres vivants qui disaient : Viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Amen. On acclame le Seigneur. Yeah.
Nous allons parler de l'ouverture du deuxième sceau. Je crois que le dimanche passé, nous vous avons démontré de laquelle manière les sept sceaux ont été ouverts. Souvent les gens, quand ils entendent parler des sceaux, mais ils se disent comment cela pouvait être fermé pour être ouvert. Parce que les sceaux, on les pose sur un document. Dans ce qu'on était en train de parler, nous vous avons dit qu'à l'époque, les livres ne se présentaient pas dans le format actuel. C'était sous la forme d'un rouleau. Alors, pour garder le mystère d'un livre caché, on le scellait. Mais il y avait plusieurs types de scellés en Israël. Les scellés qui a été utilisé pour les livres célestes, personne ne pouvait les rompre. Généralement, lorsque les rouleaux
où les livres étaient tenus secrets, il y avait des personnes habilitées d'enlever les scellés. Et n'oubliez pas que Jean était un apôtre moderne. Il avait des entrées même dans la cour du roi. Alors lorsqu'il vous dit que personne ne pouvait rompre, c'est qu'il connaissait les gens qui avaient l'habitude de rompre. Je sais que pour ton cas, les sorciers, les féticheurs, les magiciens ont agi de la même manière. Les sorts qu'ils ont mis sur ta vie, il n'y a personne qui peut les rompre. Mais je vais te dire, il y a un inconnu qui vient d'être connu maintenant. Lui, il a la possibilité de rompre toute forme de scellé. Donc quand Jean vous dit qu'il ne voyait personne, c'est vrai. Je sais que pour ton cas, tu ne vois plus personne sur la terre. Mais je te dis que les personnes que tu ne vois pas, ce sont les personnes que tu connais. Jean connaissait Jésus, mais il savait que Jésus était déjà mort. Mais je te dis que celui qui était mort, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. C'est celui-là qui passera par devant toi pour déceler tout ce qui a été fait. Amen. Alors, après avoir pleuré, Nasima kolela, après avoir braillé, Nasima konganga, il vit quelqu'un qui s'est mis debout. Amoni motomo kwa telemi. Lui, il vint ye a yei, et rompa les seaux. Be akataka singa. C'était maintenant le commencement ezalaki sika wa ebale de l'accomplissement des choses qui étaient cachées. Église de Dieu, Ecclesia na Nzambe, là où nous allons avec le Seigneur, devient de plus en plus proche. Le salut pointe à l'horizon. Il est maintenant plus proche de nous que lorsque nous avons crié au Seigneur. Lors de l'ouverture du premier saut, nous avons vu un cheval blanc. Mais bien aimé, à ce moment-là, aucune blancheur ne pouvait être trouvable sur la terre, parce que le blanc blanc, il était déjà avec nous au ciel. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un se présente à toi avec les habits de l'agneau, il faut vous assurer que Dieu est en lui par ce temps qui coule. Depuis que la Bible a été oubliée sur la table du diable, il y a beaucoup de faux prédicateurs qui découragent la foi des enfants de Dieu. Je ne dis pas que moi je dépasse les autres, mais je vous dis que vous devez faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ainsi que dit Clinquant est en train de prendre la place de l'or. L'ouverture du premier saut nous faisait voir comment l'esprit de séduction devait entrer dans le monde. Là, l'église est déjà enlevée. L'antichrist et les faux prophètes vont commencer un message de séduction. C'est comme de nos jours. La Bible dit que le mystère de l'iniquité, le ministère de l'iniquité agit déjà. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de séducteurs. Ils disent aux gens que tu peux voler pourvu que tu donnes la dîme. Dieu ne partage pas les butins. Dieu ne partage pas les butins. Les produits de vol n'intéresse pas le Seigneur. Je vous dis, peuple de Dieu, que le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu peut t'enrichir sans que tu n'aies volé. Amen. Ce que je regrette, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien Dieu. C'est pourquoi les théologiens nous parlent d'un Dieu un et trine. C'est-à-dire une seule personne
mais qui se manifeste sous trois aspects. Les Jésus de Nazareth, même les vendeurs de cacahuètes de leur quartier les connaissaient, mais les Jésus de la montagne ne connu que de trois personnes: Jean, Pierre et Jacques. Même Barthélemy ne connaît pas le visage de Jésus sur la montagne. Vous devez savoir qu'il y a prédicateur et prédicateur. Il y a les prédicateurs qui ont connu Jésus comme l'enfant du charpentier. Ces gens-là, tous leurs messages, c'est sur le temporel. Ce qui est de la terre. Oh, la terre a existé après Dieu. Les gens doivent d'abord connaître Dieu avant de connaître la terre. Les gens doivent craindre Dieu avant d'être bénis. Lorsque le Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin. Amen. Il y a deux types de Jésus. Ezali na Yesu lolenge mibale. Il y a le Jésus de la terre. Ezali na Yesu wa mabele. Et le Jésus de la montagne. Yesu pe ngomba zali. Le Jésus de la montagne. Yesu o ngomba. A le visage de son père. Yazali ne longi ya tata. Quand Dieu rencontrait Moïse, le Jésus de la terre n'était pas encore là. Yesu mabele zala ki na inote. Mais il y avait une ressemblance. Zala ki na kokokana. Entre le Dieu de la montagne. Na kati na Nzambe ngomba. Et le Jésus de la montagne. Na Yesu o ngomba. Leur visage. Elongi na bango. Rayonnait. Est-ce que ce matin, comme vous avez rencontré le Dieu de la montagne, que ton mariage rayonne, que tes affaires rayonnent, que tes études rayonnent, que ton ministère rayonne. Amen. Ce sont des choses qu'on découvre lorsque le livre a été ouvert. L'apôtre Paul dit: ne les suivez pas jusqu'à ce jour. Le voile est encore sur leur cœur. Quand il a ouvert, c'était la séduction. Là, nous sommes déjà au ciel. Les gens qui vont rester sur la terre, ils vont continuer à attendre un autre Jésus qui viendra. Mais ce Jésus-là ne viendra plus. Parce que le vrai Jésus, c'est celui qui viendra prendre son épouse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y aura une suite des événements fâcheux pendant que l'église sera déjà enlevée. Quand ça va commencer, comme ça ne sera que la séduction, les gens vont se complaire dans cela. Ils vont se dire: mais nous ne sommes pas différents de ceux qui sont partis. Parce que nous avons toujours notre Dieu. Alors il y a l'ouverture du deuxième sceau. Là, au lieu de voir un cheval blanc, on voit un cheval rouge comme du feu. Celui qui était déçu avait reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Pour ceux qui vont rester, il n'y aura plus de paix sur la terre. La Bible dit que non seulement il avait reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, mais il lui a été donné également le pouvoir de faire que les hommes s'entregorgent, s'entretuent. Vous allez dire que vous n'aimez pas de problème, mais les gens viendront pour vous tuer. Le monde est encore vivable parce que la grâce de Dieu, l'Église, est sur la terre. C'est pourquoi je regrette beaucoup que dans ce pays, qu'il y ait encore des gens qui ne respectent pas l'Église. Nous sommes parmi les rares pays où on ne respecte pas l'Église. Ailleurs, les pasteurs, l'église est respectée. Est-ce qu'en disant cela, j'encourage les mauvais pasteurs? Non.
Le problème, c'est qu'on doit apprendre à respecter ceux qui maintiennent la paix. S'il y a la paix au Congo, c'est grâce à nos prières. Amen. Ce pays est au centre d'un grand complot. Le Congo allait déjà être balkanisé. Congo et au nom du Seigneur Jésus-Christ, aucun centimètre carré de notre territoire national ne sera cédé à qui que ce soit. Que celui qui est parti proposer l'homosexualité au Kenya s'arrête là-bas. Le jour où il viendra ici, il tient un tel discours. Je passerai dans les médias pour dire le contraire. Moi, je n'ai pas été créé par les Américains. J'ai été créé par le Dieu Tout-Puissant. Amen. L'esprit de séduction. Molimo na kopenguisa. Il vient parce qu'il a amené les investisseurs. Il dit que homosexuels. Il n'ose pas venir. Ces jours-là, vous me verrez. Les jours où il ose tenir un tel discours au Congo, il va me rencontrer ce soir. Amen. D'ailleurs, ces gens, on les craint pour rien. Ce n'est plus la grande Amérique. Pamba, les États-Unis font aujourd'hui partie des États pauvres du monde. Amérique, ezali na kati na bamboka, ezali na bobola na kati na mokili. À titre des investissements en Afrique. Na oetali kotia miso na Afrique. Ils n'ont que 70 milliards de dollars. Bango bazali kaka na 70 milliards de dollars. Pendant que la Chine, wana Chine, en totalise 200 milliards. Yango ezali na 200 milliards. Dans la géopolitique, na oetali géopolitique, ces gens ne pèsent plus. Bato bazali sou na bozito te. Ils imposent aux politiciens des choses. Bango batindika na ba politiciens makambo. Mais pas l'Église. Kati na Église. N'Ecclesia ta mokete. Alléluia. Amen. Alors, lors de l'ouverture du deuxième saut, wane lembona bibale fongwami, celui qui était là, ye o azalaki, il a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Azwaki mpifo akolongola kimia na mabele. Si on avait enlevé la paix dans ta vie, je la retourne au nom du Seigneur Jésus. Parce que Jésus-Christ, mon maître, il est le prince de la paix. Là, l'église est au ciel. Vous n'allez pas dire que moi, je ne provoque pas les gens. Que vous ayez provoqué les gens ou pas. On va vous égorger. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, mon frère, moi, ce qui m'a trahi, c'est le docteur ici, il a toujours, oh non, attention avec les bras. Moi, chaque matin, Dieu m'entend. Avant la fracture, je faisais 50 pompages chaque matin. Avant de sortir. Ce n'est pas parce que nous prions que vous ne pouvez pas être fort. Non. Pas pour taper sur les gens, mais pour résister. Alléluia. Moi, je suis contre les enfants qui n'aiment pas le sport. Même si nous prions, le samedi, c'est le jour de Koporagabi, Bibende. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit l'exercice corporel est très utile. Acclamons très fort pour le roi. Il n'y aura plus de paix sur la terre. Les gens vont s'entretuer. Mais le prophète avait déjà dit quel est le mystère de l'iniquité était agit déjà. Nous sommes en train de vivre les simulacres de ce qui va arriver après l'église. Jamais le phénomène Kuluna n'a fait de dégâts au Congo compare le passé. Aujourd'hui, les terroristes,
nargue la communauté internationale. Une communauté internationale hypocrite. Communauté internationale hypocrite. Qui dans la plupart des cas soutiennent le terrorisme. Où est-ce que les Boko Haram trouvent les armes? Les gens qui sont en brousse. Mais ces communautés internationales, Dieu m'a demandé de te dire que si tu ne changes pas, tu iras en enfer. Les Africains ne comprennent pas. On leur propose les armes pour détruire leur propre continent. Et ils sont fiers. Non, nous n'avons pas besoin de guerre dans ces pays. Comme le ministère de l'Iniquité agit déjà. Frère, vous pensez que la communauté internationale n'a pas le moyen d'arrêter les Boko Haram? Si les Boko Haram avaient des armes, les munitions ne pouvaient pas se terminer. Il y a anguille sous roche. Parce que le ministère de l'Iniquité agit déjà. Ma soeur, mon frère, ne faut pas rater au rendez-vous de tantôt. La Bible dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. Ces choses se passent sur la terre. Pour ceux qui ne voulaient pas aller, vous aurez remarqué qu'au fur et à mesure que le monde évolue, la méchanceté s'accentue. Parce que nous vivons le temps de la fin. Vous n'avez encore rien vu. Il y aura des troubles dans le foyer. Le mari égorgera sa femme. La femme égorgera ses enfants. Parce que l'esprit de l'Antichrist sera en pleine action. Si vous voulez échapper à ces choses, Jésus vous tend la main. Il vous demande d'abandonner la mauvaise façon de vivre. On ne peut pas être un demi-chrétien. Où vous l'êtes, soit où vous l'êtes pas. Je ne sais pas, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère. Est-ce que si Jésus revenait ce matin, il te trouverait dans quel état? La haine envahit les églises aujourd'hui. On ne veut pas voir les autres monter. Mais vous n'allez pas interdire aux gens de monter. Parce que l'ascenseur est là. Le travail de l'ascenseur, c'est de faire monter ce qui était en bas. Et de faire descendre ce qui était au-dessus. C'est ainsi que la Bible dit. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Comme vous êtes restés pendant longtemps dernier, devenez premier de votre domaine. Comme vous êtes restés pendant longtemps. Il va enlever la paix sur la terre. C'est bien d'entendre la guerre. Mais il faut vivre ça. C'est pourquoi moi, j'ai toujours conseillé aux politiciens de notre pays de privilégier les dialogues, mais dans le strict respect de la Constitution. La guerre, c'est une mauvaise chose. On sait comment elle commence, mais on ne sait pas comment elle termine. Les gens qui veulent provoquer des guerres, ils n'ont jamais connu des dégâts de guerre. Si les gens pouvaient comprendre que l'Église amène la paix, je demande à tous les chrétiens de prier instamment pour la République démocratique du Congo, pour que les élections se passent en 2016 sans trouble, sans problème. La Bible dit ceci: prions pour les autorités, pour que nous ayons la vie paisible. Prions pour l'armée, prions pour la police nationale, prions pour les services de sécurité, pour que notre pays soit protégé. Amen. Ces choses, les chrétiens ne le font pas aujourd'hui. S'il n'y a pas de paix dans le pays, comment nous allons prier? Ces choses seront horribles. Vous qui allez rester,
On viendra égorger votre fils devant vous. On vous demande de tenir la tête. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Et pendant ce temps, il y a des églises qui ne prêchent que les bénédictions du 1er au 30. Ce n'est pas bien. Vous savez, même en pédagogie, les cours ont des pondérations. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que même dans le monde, si quelqu'un va dire, mais comment il donne l'exemple du monde? La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens 11. Même à l'université, les cours ont des pondérations. Si tu as déjà réussi dans un cours à pondération 8, c'est comme si tu as déjà réussi dans les 8 cours qui n'ont qu'une seule pondération. Donc pendant que les gens disent que moi je fais 9 sur 10 aujourd'hui. Donc toi tu as déjà réglé les litiges de 9 sur 10. Yo siliko sili sali kambo 9 sur 10 ou takala. En matière théologie. Na makambo etali koyeko la nzambe. Les prédications ont des pondérations. Le royaume des cieux a la pondération 9. Yango ezali na pondération 9. Tandis que les biens de la terre n'ont qu'une seule pondération. C'est-à-dire que dès que tu as déjà réussi à ce qui concerne la sanctification, tu as déjà 9 sur 10. 9 sur 10. Tu peux même ne pas passer l'autre examen là, de bénédiction. Mais tu monteras de classe. Quand il y a Dieu en toi, il y a des choses que tu ne demandes plus. Quand tu crées Dieu, il y a des choses que tu ne demandes plus. Et ces choses viennent automatiquement. Laisse que les choses que tu n'as jamais demandées à Dieu puissent t'arriver automatiquement. Amen. Quelle est cette église où on ne parle que des sorciers? À l'église, les seuls noms qui doivent être célébrés, c'est le nom de Jésus-Christ, le maître de Galilée. Amen. Non, on a bien, tata moi si nabino. Et il fabrique des choses. Ok, non, on avait enterré ton grand-père avec ton argent. Le grand-père m'avait vu. La Bible dit ceci. Christ à moi, l'espérance. Comme Christ est en vous, recevez la voix, recevez le pouvoir, recevez la gloire. La délivrance, les bénédictions sont dans les Écritures. Mais pour jouir de ça, il faut avoir Christ en soi. Vous connaissez un Emma? Vous connaissez ça? C'est une masse en fer qui a l'habitude d'attirer tout ce qui est métallique. Jésus, c'est cet aimant-là. Quand il est en toi, il attire tout ce qui est métallique. Laisse que ce matin, que Dieu attire vers toi les milliards, les progrès, les mariages, les voyages, les pouvoirs, que Dieu les attire vers toi. Amen. Vous savez, quand vous êtes en ordre avec Dieu, ce n'est pas vous qui irez chercher Dieu. Parce que j'entends toujours des gens qui ont dit que tu ne peux pas voir le visage de Dieu quand tu es au bas de la montagne. Pour voir le visage de Dieu, il faut monter sur la montagne. Et ce n'est pas tout le monde qui peut monter sur la montagne. Parce que quand on parle de montagne, vous voyez vos trucs ici. Hein? Entre la Mongolie et la Chine, il y a une montagne qu'on appelle la Grande Muraille.
Même moi qui vous parle ici. Atanga ona zai kolobela bino. J'étais déjà monté, mais je me disais qui m'avait envoyé. Namataka na mituni nani atinda kingana mata. Vous regardez, Otali, là où vous partez, c'est bisika, très loin. Ozaliko kende mosika. D'où vous êtes venu, c'est bisika, encore très loin. Outi yango ezali mosika lisukoleka. Alors, il y a quelqu'un qui vous attend au sommet là. Kasezena motomo kwa zaiko zela bino nangomba. Pour vous donner une médaille. Pona kopesa yo eloko okolonga. Pour continuer. Pona kokoba. Il faut être un homme qui n'a plus de peur. C'est ainsi que lorsqu'il fallait que les gens montèrent sur la montagne, le jour où Étienne était descendu, la Bible dit que toute la montagne était enfumée. Et il y avait des tonnerres. Les gens eux-mêmes. Ce n'est pas Moïse qui a laissé les gens. Les gens lui ont dit ceci. Toi va causer avec lui. Nous nous attendons ici. La révélation de Dieu. Ce n'est pas une affaire de peureux. C'est une affaire des gens qui ont la foi authentique. Qui croient que sur la montagne. Je rencontrerai Dieu. Amen. Donc, c'est comme ça dans les églises. Quand ça marche, vous trouvez même les gens. Les gens disent non, pasteur. Ma bonne ne peut ça pour ça. Mais quand ça ne marche pas, ils disent, bon, tout le monde, pasteur, ma cambo est en. C'est pourquoi la plupart des gens qui prêchent l'évangile au Congo n'ont jamais été sur la montagne. C'est parmi les gens qui avaient dit à Moïse que toi montes, nous restons sur la terre. Nous sommes à Bala, nous sommes à Pango. Mais nous sommes à Bala, nous sommes à Pango. Et il y a même une église que je respecte beaucoup. Comme ce sont les gens qui sont dans l'inculture. Ils pensent que c'est leur prophète qui a amené ce message. C'est de l'illettrisme théologique. Ces choses, on en parle depuis le 18e siècle. Leur prophète n'était pas encore né. Et comme nous sommes dans un pays où les savants sont considérés comme des ignares et les ignares comme étant des savants, c'est pourquoi on entend certains tamars, cet embrouillimi. Ils sont convaincus comme ça et ils pêchent, ils iront en enfer à cause de telles déclarations. C'est ainsi que les gens qui seront enlevés. Ce ne sont pas les gens qui seraient comptés parmi ceux qui étaient restés sur la terre. C'est parmi les gens qui étaient montés sur la montagne, qui ont entendu la déclaration du Seigneur, que celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça, ce sont des choses que Barthélemy, que Thomas, que André n'ont jamais entendu. On peut tous lire la Bible. Mais on ne peut pas tous entendre Dieu parler. C'est pourquoi parmi les 12 apôtres, il n'y a que toi qui sont considérés comme des colons. Parce que ce sont les gens qui ont découvert le vrai visage de Jésus. Le Jésus qu'on vous présentait sans beauté ni éclat, c'est celui qui avait ramassé les péchés du monde. Mais le Jésus de la montagne, il a de l'éclat. Lorsque ce matin, que ta vie ait de l'éclat, que ton ministère ait de l'éclat, que tes enfants aient de l'éclat, que ton travail ait de l'éclat, que ton mariage ait de l'éclat. Beta maboko pona lokumu na Yesu. Soyez heureux, aux les enfants de l'église, image de l'éternel. Image éternelle. Nous vous préparons à l'enlèvement. Na koneto lama. Je suis si na que nous irons au ciel. Et toko kende na lola. Amen. Lors de l'ouverture du deuxième sceau, tango elembona mibale la pokwami, paix kimia sera retirée de la terre. Bakolongo lango na mabele. Moi, je ne suis pas un pasteur militant ou un pasteur combattant.
Moi, je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. J'approuve la majorité quand c'est bien. Je la sermonne quand c'est mauvais. J'approuve l'opposition quand c'est bien. Je la sermonne quand c'est mauvais. Il n'y a personne décédé quand tu m'as établi prédicateur. Je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Eh, messieurs les politiciens, ne prenez pas le pays en otage. Nous ne sommes pas vos enfants. Travaillez pour la paix, le développement et le bonheur du Congo. Un pays plein de richesses. Mais les gens pauvres, à cause des fonctionnaires verrés qui volent l'argent de l'État avec la complicité de certaines autorités, je dénonce ça au nom du Seigneur Jésus. Tous les voleurs des biens de l'État n'iront pas au ciel. Ils vivront ces choses. Les magiciens, les sorciers, les aînés, ceux qui désaiment les autres sans cause, n'iront pas au ciel. Ils vivront ces choses. Ils seront égorgés. Ça, c'est... nous ne sommes pas encore rentrés. C'est pourquoi papa Lito disait, bien-aimé, lors de l'ouverture du deuxième sceau, la paix sera enlevée de la terre. Tu acceptes de subir ces choses. Tu veux voir tes enfants égorgés. Dieu te donne l'occasion de changer de comportement. Tous ceux qui m'entendent quand je prêche, qui ont volé les biens de l'État, allez déposer ça à la Banque Centrale. Et ce sont de ces gens-là qui friment. L'église est remplie aujourd'hui. Des gens qui ne payent pas les impôts. Ils sont là. Ils disent que le pays se développe. Mais le pays va se développer avec quoi? On ne peut pas aller au ciel quand on a des dettes de l'impôt, quand on a des dettes de dîmes. Un bon chrétien acquitte correctement ses impôts et taxes. L'argent que je demande ici, que tout agent de la DGI, DGDA, DGRAD, DGRK, celui qui va détourner ça, il aura la toux. Il aura la toux. Et bon, il a besoin de l'argent. Le Seigneur revient bientôt. Tu as volé l'argent de l'État. Tu as acheté des maisons à Paris, à Monaco. Le Seigneur est fait bientôt. Majorité. Opposition.
Société civile. On acclame très fort pour le roi des rois. Décris ma boko makasi pour Nkumu na Bankumu. La Bible dit, allez faites de toutes les nations des ça sera horrible. Ça sera terrible. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens tricheurs. Moto, Pesanga 1, Nazana 2. Donc, Dewana yayete. Dewana outek ko donke. Alors, dès qu'il y a eu Dewana, à l'objet, na kaso bolingwe zate, biloko photo kabolango, nazana ena dewa zana 3, 4, azo yango na tche. Parce que eloko a moné li pasi, moyen a d'abate la yango ezali, te. Si ko yujur azo zo diplôme, oye aye ena église, tatra tana glingala. Jean-François de Soir, je bénis l'éternel. Donc, les gens qui ont mis en place, ils ont contacté une église. Et ce qui est bizarre chez nous, les professeurs font échouer les gens intelligents. Je sais, je suis dans le système. Parce qu'ils attendent les clients. Drôle de professeur. Vendeur de points et de diplômes. Dieu vous jugera. Les enfants sont intelligents. Mais le système. C'est que Dieu protège les filles de notre église. Si un professeur te courtise, qu'il attrape l'épilepsie immédiatement. Malade en déke, bokonote. Toutes les filles qui étudient dans cette église. Assistant, professeur, monsieur. Assistant, il va vous courtiser qu'il tombe de l'épilepsie. Malade, et dès qu'il tombe de l'épilepsie, tu les laisses. Tango il les laisse lui-même se débrouiller. Il sait comment il va se réveiller. Malade, andeke, moko, amisunga, donc, les enfants vont à l'école pour étudier. Mais le prof, lui, il compte ce qu'il donne l'argent. Et pourtant l'avenir du pays dépend de notre comportement. Chers frères et sœurs, l'ouverture du deuxième souffle enlèvera la paix de la terre. Je n'ai jamais vu des gens pérer comme les gens de cette église. Quand on était sur Kulu, le phénomène Kuluna avait son ampleur. J'étais au bureau. Je sors, je me rends compte que j'étais resté seul. Le quartier désert. Bato, bakimi. Mon véhicule n'était pas là. Mais je demande. Natuni. Vous voyez, pasteur Songa Bakuluna Bazo. Mais vous avez peur de Kuluna. Vous avez banga Bakuluna. Mais le vrai Kuluna viendra après l'enlèvement de l'église. Kuluna na solo akoya na sima koneto la manéklese. Vous allez sortir pour entrer au marché. Okobima pona okende na wenzi. Le Kuluna de ces temps-là. Kuluna ele koyango. Vont vous attaquer. Bakoya kobunisa yo. C'est d'aujourd'hui. Bah oh alelo. La police les a maîtrisés. Bulusu esiko. C'est pourquoi si tu as un enfant Kuluna. Ndepo esoko za mwana Kuluna. Teyeye. Teyeye mokolo kolya mbuma droit de l'homme ko yawa te bakobenga na bango. Parce que droit de l'homme Ya kaka soki babomi ba civi ba tout sérieux. Tango batwana bazoboma asala ka déclaration ata makote droit de l'homme. Nous sommes contre des tueries. Mais je vous préviens que ce que vous craignez là, il y aura pire que ça. Koleka yango ekozala. Donc je suis en train de vous dire. Nazali ko ebisa bino. Que les Boko Haram que vous voyez. Et Boko Haram bozali. L'État islamiste. État islamique. C'est le ministère de l'iniquité qui agit déjà. L'automo na mabende ezali ko sala. Comment quelqu'un est dans l'avion? Lo lengeni moto azan na pepo. Il est pilote. Azali mokumbi pepo. Son chef sort. Mokonzina bimi. Lui il s'enferme dans la cabine. Akangi ekuke. Pour faire tomber la. Pona ko koisa pepo. Vous trouvez pas non qu'il y a quelque chose dans cette. Bomoni te likambo ezana mutu ya moto. Le ministère de l'iniquité agit déjà. Lors de l'ouverture du deuxième saut, il n'y aura plus de paix sur la terre. Il y aura des guerres partout. Ce que vous voyez maintenant, ce sont des préliminaires. Si ce mouvement ne prend pas de l'ampleur générale, parce que l'Église est encore sur la terre. Vous voulez vivre ça? Vous voulez voir comment on va égorger la tête de votre père, de votre mère, de vos frères, de vos sœurs? Mais amenez-les à l'église.
Ce sont des choses qui vont se passer. Je voulais vous dire que le Seigneur revient bientôt. L'église qui sera présentée devant Dieu sera sans tache, ni ride, ni des choses semblables. Seuls les gens qui ont des cœurs pires vont échapper à cette colère d'avenir. L'ouverture du deuxième saut, il n'y aura plus de la paix sur la terre. Là, nous serons au ciel. Mais avant que nous allions au ciel, là où il n'y a pas de paix, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, que Dieu remette la paix. Si tu étais troublé, que Dieu remette la paix. Si ce sont les biens qui te faisaient perdre la paix, si c'est la maladie, si ce sont des problèmes, que Dieu puisse pourvoir à tous. Mais le conseil que je te donne ce matin, c'est de te convertir. C'est de t'attacher au Seigneur. Tu verras que ce jour-là, tu vas échapper à ces frères. Donc, je peux conclure et dire que c'est ça le message que j'avais pour vous. Amen. Je dis que c'est ça le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les serviteurs. Qu'il bénisse les centres et les techniciens. Que Dieu bénisse notre pasteur. Que Dieu bénisse les jeunes. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Na katia lopango.